faire un petit repos en début d'épisode et en fait, mon perso fait un nouveau cauchemar. Alors, vous vous réveillez ? En sursaut, en ok, bon bah, il y a un doublage, vas-y. C'est comme si quelqu'un avait traversé votre propre tombe et pendant un instant, vous vous demandez si ce n'était pas vous. Alors que vous songez à cela, le sol s'ouvre sous vous et vous emporte dans l'obscurité. Ooh. Lorsque la lumière revient, sa présence ne vous réconforte en aucun cas. Devant vous se dressent les mines vides de Nashkel. Vous avez nettoyé lors de votre précédent voyage. Oui, pour le coup, on les a bien nettoyées. Vous avancez à travers des cloisons et des portes, vous enfonçant de plus en plus, jusqu'à ce qu'une silhouette bouffie surgisse. Mulae, toujours en aussi mauvais état que lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois, se tient. La dernière fois qu'on l'a vu, on l'a découpé en morceaux, donc. Cette apparition maudite n'attendait que vous. Une dague en os vacille devant elle, attendant qu'une main se propose de l'enfoncer. Si cette créature respirait encore, elle hurlerait sans doute des jurons. Elle attend la mort, une mort au-delà de la mort, et n'a aucun espoir. Vous tournez le doigt à la lame qui tombe bruyamment au sol. Le royaume des morts saura infliger un châtiment suffisant à cette créature. Il n'est pas nécessaire que vous en rajoutiez. Surpris et reconnaissant, le visage de Mulae se met à chanceler en avant et vous traverse, son allant rejoindre le destin qui l'attend. Peut-être par mesure de sécurité, il laisse une partie de lui-même derrière. C'est une lueur d'espoir qui emplit un espace en vous, un trou vide, en forme de dague, que vous croyez rempli. Un cri de rage monte des profondeurs, et la dague en os s'envole en l'air, visant votre cœur. Vous vous réveillez au moment où elle aurait dû atteindre sa cible, et la sueur froide qui vous couvre brûle vos yeux. Une voix mécontente résonne dans vos oreilles, bien qu'elle aurait dû disparaître avec la fin du rêve. Vous finirez par apprendre. Ok, va-t-on se retrouver avec un nouveau sort, comme la dernière fois? Qui en veut? Je pense que Bou veut une autre histoire. Tu connais de bonnes histoires, mais on n'en a plus. Ok, bon. On peut enfin se reposer. Et on n'a pas eu de nouveau... Ah si, maintenant on a deux sorts de soins, ça c'est cool. Donc, nous voici dans le nouvel épisode de l'aventure Baldur's Gate. Dans l'épisode précédent, nous avons nettoyé les mines de Nashkel. Du mal qui les infestait, donc des kobolds, commandé par un demi-orc du nom de Mulae, qui était lui-même aux ordres d'un homme mystérieux dénommé Tavok, je crois. Ça ressemble mystérieusement à Starvok, mais bon. Nous sommes donc sortis par un petit raccourci qui s'est effondré derrière nous, donc on ne peut pas y retourner. Nous nous trouvons dans une petite zone à l'est de Nashkel. Mais... Oula, on n'y va peut-être pas tout seul, là. Le serviteur de nature attend. Mais avant de quitter cette zone, nous allons faire quelques combats pour y gagner de l'expérience et passer quelques niveaux. Alors, Kali déjà ira pour une scène de ménage encore pour je sais pas quelle raison. Ouais, allez, zou. Donc, avant de partir, vu qu'on s'est reposé, on a nos sorts, on va identifier 2-3 bricoles. L'épée courte. Non, elle a une plus 2, on va pas identifier celle-là, car c'est une plus 1. On va identifier les fameuses bottes. Alors, bottes d'atterrissage, le présent de Talos. Alors, donc on a la petite légende qui va avec. Résistance à l'électricité. Oui. On vendra. Sinon, l'anneau. Anneau de sainteté accorde un sort supplémentaire de chaque niveau. Pour les druides et les clercs. Cool. Ça, c'est pour Jair. Donc, on aura un sort de soin de plus, et... Ouais, on n'a pas des trucs géniaux en niveau 2. On va prendre... Oh, un charme personne au cas où. Hop. Parfait. Donc, on va sauvegarder. Et on va aller tout de suite mener un petit combat par ici. Donc, encore des chasseurs de primes qui veulent ma tête. Oui, je m'appelle Finn, et alors? Nous devons chercher pendant des jours, vous devez mourir. Votre opposition au trône de fer a causé des problèmes mineurs, mais vous mourrez en sachant que votre action était vaine. Ok. Donc, le héros et Minsk vont aller au corps à corps. Khalid va attaquer celle-là. Du coup, pour le coup, Minsk, c'est là. Khalid, c'est là. Dinaire, toi, tu vas attaquer celle-là. Imoen, celle-là aussi. Et Jaira, ici. Allez, c'est parti. Oui.
Aïe, elle fait quoi? Confusion? Berserk? Non. Je sais plus ce que c'est, c'est un stick on. Et paralysie, évidemment. Qu'est-ce que vous foutez? Aïe, 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 aïe. Jaira, bouge ton cul. Oh, j'ai gagné un niveau. Et j'avais crevé. Mais mince, putain. Je crois pas gagner un niveau redonne de vie. Boum. Moins de paroles et plus de bagarres. Oh, c'est comme si c'était fait. Hop, level up pour Khalid. Oui, il est parti. C'est Khalid qui va prendre cher maintenant. Minsk qui va prendre cher. Gravement blessé. Et l'autre pouvait arrêter sa confusion et revenir, ce serait cool. Et bah c'est pas grave, on a gagné. Pfiou. On va faire tout de suite nos level up. Donc Khalid, taco réduit, donc il se fera toucher moins facilement. Il gagne plein de points de vie et ses connaissances. Mais les connaissances, ça sort pas des masses, à part pour identifier des trucs. Mais pour les guerriers, je crois pas que c'est très utile. Mon héros gagne pareil. Pas de connaissances, mais plus de points de vie. Et c'est parfait. Vous avez quelque chose à pendant que les sorts dissipent, on va tout looter. Ah bon, pas avec Imoen parce qu'elle fait son camouflage à la con. On prend les potions. Oh, protecteur du second plus 2. C'est cool ça. Les potions. Oh là 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 là. Des armures magiques, ça c'est toujours utile. Armure de plaque, mais elle pourra pas les porter. Alors, on va tout. Ah bah oui, il est trop loin évidemment. Allez, viens par là toi. Voilà, donc les potions à mon héros parce qu'on les vendra, je me sers pas des potions. Une armure de plaque pour Minsk. Ça, faudra les identifier. Mais ce sera pour Imoen. Potion. Hein. Ah ouais, ça annule les sorts. Bon. Si on est confus ou immobilisé, ça ne sert à que quick. Ouais, potion. Pareil. On met tout dans le sac à potions. Ouais, j'équiperai son armure plus tard à Minsk. Bah maintenant d'ailleurs. Hop, armure de plaque. Il gagne donc en classe d'armure. Ça, on le vendra. Parce que les autres en ont déjà. Ouais, je peux pas identifier, faudrait se reposer. Ouais, sac de contenance et zou. Donc là, on va sauvegarder. On va se rendre, on va peut-être faire encore une petite ellipse, donc je me rendrai par ici. Il y a une mini-quête, juste un combat, histoire de gagner de l'XP, si on peut faire level up quelques autres persos, ce serait cool. Donc on se retrouve tout de suite. Votre franchise me change. Alors... essayez d'agir avec plus de tact. Donc... personnage qui se fait attaquer... Ne le laissez pas m'avoir, calmez-vous, messire. Personne ne vous fera de mal. Racontez-moi votre problème en plein milieu d'un combat. Oui, ouais. Alors. Quel est mon problème? Ok. Que dois-je ramener à qui? Une grotte à l'est. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un chasseur de trésors, en quelque sorte, qui a volé un objet maudit et qui se fera tuer si on ne le ramène pas. Donc, on va le faire. Car c'est juste ici normalement. Là, voilà.
On va se soigner un petit peu avant. Ouais, j'ai soigné aussi. Parfait, on sauvegarde et on rentre. Mais où ? T'es pas beau, toi. Vous avez la dague, donnez-la moi. Pour cette créature en miséricorde, tout ce qu'elle veut c'est partir en paix. Donne-lui la dague. Allez, tiens. Tu prends la dague et tu nous fous la paix. Et voilà, on gagne 900 points d'XP. On aurait gagné plus si on l'avait buté. Mais... Wow. On va lui piquer ses affaires. 2-3 potions à stocker. Un anneau. Et on a gagné un petit peu d'or, je sais plus. Ok. Et on va se tirer. Deuxième petite ellipse, à tout de suite. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ok, en chemin on se fait attaquer. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu fous toi? Toi défends-toi au bâton. C'est autre chose que les petits kobolds de la mine. Hein. Voilà. On passe un peu. Oh, on va juste prendre celui-là qui a des joailleries. Ouais, non, des pièces, ouais, d'accord. Et on va se tirer d'ici. Hop. On retourne à Nashkel. Et voilà. On va faire un petit saut par le marchand, histoire d'identifier tout le bric-à-brac qu'on a looté. Je suis la mort venue pour vous. D'accord. Pardon, je ne me rendrai pas. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je ne comprends pas pourquoi Nimbule, ouais, donc c'est lui. Ok, bah, on va lui faire sa fête. Et les gardes nous aident, ça c'est cool. Non, on n'a plus de sort à utiliser. D'accord, ben ça sera sympa, merci. Sinon les gardes, vous voulez pas les attaquer, faire des dégâts, non? Hors de mon chemin, bûcheron desséché. Vous avez quelque chose à accomplir? C'est comme si c'était fait. Les trois. C'est comme si c'était fait. Non, personne veut lui faire des dégâts, non? C'est qu'un mec à poil sans armure, hein. Voilà. Il loot que Pouic parce que bah, il a rien. Ah si, il y a des bottes. Je veux bien ces bottes. Allez, file-moi tes bottes. Ah, il y a un petit peu plus que des bottes. Hache de jet, on va les vendre. Parchemin. Ah, c'était... Ok, c'est encore Tazok. Qui sait ce que j'ai nettoyé la mine de ces opérations. On s'en fout, on va aller vendre des bricoles. Imoine va s'y coller puisqu'elle a plus de charisme, donc pour avoir de meilleurs prix. Et on va tout identifier. Alors, un anneau d'infravision, ouais, c'est un peu de la merde. Des bottes anti-projectiles, c'est un petit peu de la merde. Épée courte plus 1. Ah si, voilà. Baguette, il peut pas. Épée courte plus 1, il faut l'identifier si on veut en tirer un bon prix. Robe de mage, alors ça m'intéresse. Classe d'armure contre les armes tranchantes. Wahou, génial. C'est pour la folie. Robe de filou. Des fléchettes, ça, pour dîner, c'est cool. Fléchette plus... Non, fléchette sanglante. Oh. Sympa. Protecteur du second, il n'est pas identifié, ça c'est cool. Et Besantine plus quelque chose. J'ai pas précisé. Ok. Donc Besantine plus 1, ouais.
Pourquoi pas. Alors, le protecteur du second. Donc c'est une armure de cuir plus 2, ça revient exactement au même que la besantine plus 1. Mais ce sera toujours meilleur que la besantine tout court. On va éventuellement prendre le plus léger. Même si ça change pas grand chose. Ah oui, quand même. On va prendre celui-là qui est très léger. Voilà. Ça réduit le poids de son inventaire, donc pour porter d'autres choses, ce sera utile. Et bah du coup, on n'a rien de très intéressant. On va éventuellement mettre les bottes. Ouais, contre le projectile. Ça va pas être la folie, mais ce sera toujours mieux que rien. On répartit les flèches. Et bah on va vendre tout ce qui ne sert pas. Ouais, on utilisera ça. Et hop. Non. Qu'est-ce que je vais aller faire? C'est toi qui vas. Donc, épée courte, besantine, botte de taille, ça acheté contre l'électricité, c'est de la merde. Robe de filou, c'est de la merde. Et besantine plus 1, on va le vendre. Les flèches plus 1, faut les identifier. Dans le sac à gemmes, il y a plein de choses à vendre. Sac à potion, il ne les prendra pas. Sac de contenance. Armure feuilletée. Voilà. Anneau épée courte, hache de jet. On va garder l'épée longue au cas où. Au cas où on casse une des nôtres. Et ben on est bon en fait. On n'a rien d'autre à vendre. Ouais. Alors il y aura ça à donner. Ça à donner aussi. Hop. On va filer voir le maire. Peut-être d'abord le gars qui voulait des primes. Peut-être que le symbole de Mulahay le prendra, lui. C'est fatigant. Non. Ben, on ira voir au temple. Je crois pas que ce temple-là le voudra, mais le temple de Beregost a pris le symbole de Basilus. Donc peut-être qu'il prendra celui de Mulahay, je me souviens plus. Alors, vous êtes de retour. Il semble que j'ai eu raison de vous faire confiance. Que pouvez-vous me dire sur les événements qui sont produits dans les mines? On va dire la vérité. Un demi-orc du nom de Mulahay contaminait le minerai de fer avec un poison minéral. J'en ai un échantillon sur moi. Qu'avez-vous dit que c'était? Vous êtes avisé de rapporter un échantillon. Cependant, je crains qu'avec notre défiance vis-à-vis de la magie, nous soyons démunis pour analyser le poison. Ah. Il serait plus rapide d'apporter la fiole à Tarantir de Beregost, qui est donc à haute haie, que de voyager au sud à la recherche d'un archimage amnien. Si vous avez du minerai contaminé, pour l'amener à Tyrom Fury. Ah, ah bah c'est con, on en a pas pris. Tant pis. Toutefois, il vaut mieux que vous gardiez ça pour vous. Ok, une petite récompense, 900 pièces d'or, c'est cool, la réputation. Je m'en fous. On va dire une connerie. C'est très intéressant. Allez, zo, je m'en fous un peu de ta vie, en fait. ouais. On va aller voir lui, parce qu'il nous achètera peut-être les potions, et au cas où il prend le symbole de Mulahay. Mais je pense pas qu'il faudra aller voir à Beregost. Mais il nous lâchera peut-être nos potions. Ok, alors. Boîte à potions. Et non. On peut se les foutre où je pense. Il nous identifie. Ah, voilà. Donc, baguette de givre. Ça, c'est sympa. Et flèche de feu. On va prendre des petits soins. Plus que des petits. Et voilà. On ira se reposer. Ouais, groupe réuni, blabla. On va aller donner l'anneau du mineur. Et on se casse de Nashkel. Je coupe vite fait jusqu'à ce qu'on y soit. Ok, donc nous y voilà. Et voilà, nous avons trouvé l'anneau de Néphrite au doigt de Joseph. Je suis désolé, je pense qu'il est mort.
Nous compatissons, tenez, prenez l'anneau. Voilà, de l'expérience, on valide la quête. Et on va s'en aller. Je pense qu'on va se laisser là. Ça fera un petit épisode. Pour le prochain, on se retrouvera directement chez Tarantir, donc à Haute Haie. On se retrouvera directement devant chez lui, donc parce qu'il faut lui amener le mystérieux poison minéral. Les lettres, je pense qu'on peut s'en débarrasser, du coup. Je les jetterai. Bon, on va les garder en attendant, au cas où, pas se refaire avoir comme l'autre fois. Y a rien d'autre, ouais. Ah, j'ai peut-être quelques parchemins doubles à filer à dîner. On va voir ça vite fait. Non. Bon, bah... On va stocker ces flèches de feu là-dedans. Et on va se laisser pour cet épisode. Je vous dis donc à la semaine prochaine. On se retrouvera directement chez Tarantir pour la suite de l'aventure. Allez, salut et à la prochaine. C'était Fintavar.